Allez à table! Eh ben ça glisse bien aujourd'hui! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve une nouvelle fois pour commander au hasard sur Uber Eats partie 2. Si vous avez raté la partie 1, je vous la mets dans la description, je m'étais éclaté. Et aujourd'hui j'ai très très faim, j'espère qu'on va tomber sur des bons trucs. Abonnez-vous et mettez un max de pouces bleus si vous voulez une partie 3. Allez on y va! Hop! Hop le bandeau! De la chance! La dernière fois, je voulais enregistrer l'écran et je m'étais planté. Bah finalement, après montage, c'était pas trop mal. Et je trouvais ça cool parce que vous voyez le truc finalement en même temps que moi. Donc on va rester comme ça. Je trouve ça plus marrant de me voir me casser le doigt. J'adore me casser le doigt. Allez, je mets le bandeau. On croise les doigts. 3, 2, 1. On y va, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte. On clique. On descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte. Je clique, clique, clique. Je descends, je remonte. Je remonte, je remonte, je remonte. Je descends. Et on clique. Hop. Ah bah des sushis. On commence avec ce qu'on a fini. Et bah à acheter un offert, 4,40€. Bah c'est pas cher, hein. Dis donc. J'ai jamais coûté, c'est parfait. Allez, à demi-table. Regardons ces sushis. C'est une chaîne, ça devrait pas être mauvais. Faut savoir qu'il y a 8 sushis sur 10 de toute façon à Nice qui sont des chaînes. Ce qui me rassure, on n'aura pas le pire sushi. Bah regardez à quoi ça ressemble, ça a l'air pas mal. On part donc sur un spring tataki de saumon. Bon ça a l'air pas trop mal, c'est un peu petit, mais ça a l'air raffiné. Avec y a la petite sauce, le petit gingembre, le petit wasabi. Et bah finalement ça vaut son prix, c'est pas très gros. 4,40€ les 6, finalement ça va. C'est juste que c'était un acheté un offert. Oh, on a une sucrée, une salée. Ah, je suis perdu. Salée. Bon appétit soif. Ah non. J'ai taché la nappe. Ouais, elle est forte. Wow. Bon, à ce prix-là, on n'a pas de baguette, malheureusement. Et ils sont collés. Ah non, ils sont collés. Saumon mariné, snacké, trévise, ciboulette. Trévise. Mayonnaise à l'huile de sésame, coriandre, sésame, sauce soja. Mais putain, je devais... J'ai oublié l'assiette. Ah c'est bon, c'est très fort en sésame, c'est très bon. Ah le mix est vraiment très bon. Ah on a de la chance. J'adore le sésame. Ça manque de wasabi. Ouf. Attendez, je le répartis parce que là je vais crever. Ah putain, ils sont tous collés les quatre. Bon, bonne mort à tous. Je vais plus avoir faim, je vais tout manger. Bon bah c'est survalidé, je me les mets de côté. J'ai hâte de découvrir la suite. Et c'est parti pour la roulette. 3, 2, 1, on y va, on descend, on monte, on descend, on clique, on descend, on monte, on clique. Je redescends. Je clique, clique, clique. Et je descends. Je clique. Oh! Oh! Waouh! Allez, je joue au loto ce soir. Boboon à 16,99€. Bon, c'est vraiment pas donné. Par contre, il y a écrit le numéro 1 le plus aimé. Donc, c'est que ça a l'air bon. Aujourd'hui, le hasard est asiatique. Allez, à table! Ah, j'ai la dalle. Alors, c'est pas très lourd. Ça, j'ai trouvé ça, par contre, un peu cher. Ouah, c'est beau, par contre. Voilà là! Alors, je vous montre. On part donc sur un boboon de bœuf à la citronnelle, vermicelle de riz. Ah oui, par contre, ça me dégoûte un peu. Je trouve que. Franchement, il pourrait le mettre ailleurs parce que le plastique, tu sais pas où il traîne. Il pourrait le mettre en dehors. C'est dommage de le coller dans la bouffe. Avec salade, crudité, cacahuète et sauce maison. Et puis il y a un nem, du coup. Alors c'est un peu sec. On va goûter. Ouais. Et je suis très con parce qu'il y a la sauce. Au passage, je vous ai pas dit pour les sushis. J'y ai pensé en récupérant la commande. Le pauvre mec qui m'a livré les sushis, il s'est explosé la gueule dans la rue et il a réussi à sauver les sushis. On a de la chance. Alors je vous avoue que je sais pas comment l'attaquer. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on doit mettre la sauce. Alors. C'est bizarre de mettre une sauce nem là-dedans, je trouve. Ça va mettre de l'acidité, je sais pas. On va goûter la viande, déjà. Parce que la viande avec les cacahuètes, je sais pas manger les boboons, je suis désolé. Et bah c'est bien gras, c'est pas mauvais, par contre c'est tiède. J'ai l'impression que tout a été posé, en fait, il n'y a pas vraiment de goût. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de sauce, il y a juste un peu d'huile. Moi j'attendais de la sauce dans la viande. Du coup, c'est un peu bizarre, non, de rajouter une sauce nem dedans. On va en mettre que sur un côté. Bon, il y en a beaucoup. On va goûter le nem, bon appétit. Alors, c'est un nem maison, mais bon, clairement, pour 16,99€, je m'attendais à un truc de fou. Je trouve que les boboons, c'est... Je suis jamais tombé sur un boboon, pour moi, qui valait son prix, c'est vachement surcoté. Ah, putain, il y a des poils, vas-y. Ouah, il y en a pas qu'un. Des poils blancs, oh là là. Eh bah, bon bah c'est cher et en plus c'est sale. Hein. On est tombé sur un asiatique sale, regardez, c'est juste là. Je vais le tirer, on va voir ce que c'est. Oh, on a un beau poil et juste à côté, il y en a un deuxième.
Je sais pas ce que c'est. Non, ça c'est des fibres. On a encore des fibres. Oh là là. Bon, ça doit être des ingrédients. Bon, faut pas gâcher, hein, mais là... Oh putain. Non, là c'est un poil, c'est pas une fibre. Il y en a encore un. En fait, il doit y avoir des animaux, c'est des poils d'animaux, ça. La viande est pleine de poils. Regardez, hein. Je vous détache la cam, hein, c'est plus simple. On en a un juste là. J'ai du mal à focus le poil, mais regardez. Et c'est extrêmement bizarre parce qu'il y en a qui sont incrustés dans la viande, quoi. Oh là là, j'arrête. Alors moi, ça me dégoûte moins que d'autres, mais autant je dis pas un cheveu, mais là... Oh, il y en a encore. Attendez, je vous montre le morceau, parce que... Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh là là. Ah. Alors, est-ce que vous voyez les poils qui dépassent ou pas? Sur le côté, là. J'ai du mal à vous focus. Il y a deux poils. Ah non, c'est un même poil qui était recourbé, les amis. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, bah, je suis désolé, je peux pas manger ça. Hein. C'est trop bizarre. Ah, ça fait chier! Il y a vraiment des trucs sales, hein. Lui, on va le garder pour le pire, je crois. Je vais le noter. Allez, à table! C'est parti, j'espère que ça va être bon. Est-ce qu'il est à l'endroit ou à l'envers? 3, 2, 1, on y va! Je descends, je monte. Je clique. J'ai tenté un one shot. Est-ce que ça marche? Et non. Ça y est, le téléphone commence à plus marcher. Il s'était réparé tout seul. On monte. On clique. Je redescends. On clique. On redescend. On clique. C'est un menu wrap tenders. Eh ben écoutez, j'en avais pas forcément envie. Mais du poulet, ça fait du bien. Alors, faut choisir la boisson. On va prendre... Non, si je repars au hasard, on n'a pas fini. Vous imaginez pas tous les plans ratés qu'on a à chaque fois. Oasis Pomme Cassis. Et c'est reçu. Bon, j'espère que cette fois, c'est bon. Je repense à l'autre truc quand même. 17 balles pour bouffer des poils. Et c'était le plus vendu. Bah putain. On a un packaging un peu agressif, hein. Pas content. Menu double. J'ai pas compris. Alors, est-ce qu'on a un menu double? C'est très lourd, en tout cas, les amis. Waouh, c'est énorme. Et ben on dirait qu'on a enfin un truc qui est rentable pour 10 euros, enfin qui est dans les prix. Parce qu'on a un menu complet, donc une grosse frite, la petite boisson et le wrap. Ah, ah, il est lourd quand même. Bah, il a l'air bien gras, finalement. En aspect, ça a l'air pas trop mal, il y a beaucoup d'huile. Bon, sur lui, finalement, on reste dans les prix. On va manger, par contre, regardez ça, ça me... dérange un petit peu, ça veut dire que les frites ne sont pas essorées. En tout cas, pourquoi il y a du gras de partout? Là, ça coule un peu. Je sais pas à quoi en penser. On va manger. T'as les poils de tout à l'heure, ça va dégoûter. J'y repense encore. Alors, les frites. Elles sont bien salées. Oh, j'imagine que l'hygiène n'est pas au top. Malheureusement, comment dire, on sent très fortement le goût de l'huile et le goût de brûlé, en fait, alors qu'elles ne sont pas brûlées. Elles sont extrêmement grasses. En dehors de ça, ce serait pas mauvais. Voilà, si on enlève tout ça. L'Oasis y va jusqu'en juillet 2024. Ah putain, c'est bon. Le wrap, bon appétit à tous. Il y a beaucoup de sauce, beaucoup de salade. Je coupe pour regarder l'intérieur, mais c'est pas mauvais. Regardez dedans. Hein. C'est pas mauvais, il est assez lourd finalement. C'est pas radin en poulet. Et du cheddar. Ça fait très wrap McDo au niveau des ingrédients, mais en vachement meilleur. Franchement, ça va. Bon, passer un peu les doutes sur l'hygiène, mais au niveau du goût, ça va. Je suis content, on s'en sort bien. En fait, on voit au poulet que c'est pas un vieux poulet. Ouais, vous savez qu'on a l'habitude des pires et des meilleurs. Donc, il y a du turnover, la nourriture est fraîche. Ça doit être surgelé, mais c'est bien surgelé. faut que j'arrête de manger. Ah putain, les gars, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vous le voyez ou pas? Vous le voyez là? Le truc, il est collé. Ouais. Regardez-moi ça. Eh, c'est un truc de fou. Est-ce qu'il y a un mec qui fout pas ses cheveux dans la bouffe? Eh, j'hallucine. Alors là, niveau malchance, j'ai mangé la moitié. 2 sur 3 problèmes d'hygiène, hein, quand même, c'est chaud aujourd'hui. Vraiment, je suis dépité, ça me fait de la peine. Bon, c'est qu'un cheveu, hein, ça arrive des fois de pas faire exprès, mais... La grande question, c'est est-ce qu'il y en a d'autres? Eh ben, on va l'ouvrir, les gars. Parce que là, il était vraiment à l'intérieur. Bon, ben, le mec a perdu un cheveu, il a les cheveux courts. Bon, voilà. Ça arrive, l'autre, c'était pire, mais ça fait chier quand même. Ah, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ben, écoute, j'ai mangé des poils toute la journée. Allez, s'il vous plaît, dans le prochain, pas de poils. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. On descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend. On clique. Pas de poils. On descend, on remonte. Pas de poils. Oh, un seboué, bah tiens, c'est marrant. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Je clique au pif sur le pain. Hop, avoine et miel. Ah putain, j'aime pas
je le déteste ce pain. Je clique au pif sur le fromage. Hop, sans fromage. Ah putain, ah mais je suis tellement nul, elle est maudite cette journée. Ah mais c'est dégueulasse, un Subway sans fromage. Ah putain, il y a les légumes. Les légumes, on va faire une rafale. Je ferme les yeux, c'est plus simple. Oignon rouge, cornichon, maïs. La sauce, on va en remettre qu'une. Attention, hop, barbecue. C'est pas ma préférée, j'aime bien la Southwest. Eh ben écoutez, on verra si le mix est bon. Allez, à table, c'est reçu. C'est un peu léger. Dommage, ils ont pas mis plus de steak. Ah, ça me rappelle des souvenirs. La bonne époque où simplement manger un Subway dans une Porsche, dans un garage, faisait 400 000 vues. C'est fou, on pouvait faire tout à l'époque et tout marchait. Et en parlant des vieilles vidéos, je suis tombé sur un truc. Je m'aperçois que YouTube ou Google déréférence les vieilles vidéos. C'est-à-dire que je ne me trouve pas en tapant Subway P1 sur le téléphone. Je ne trouve même pas ma propre vidéo, vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on a pris quand même un steak and cheese sans fromage. Du coup, par contre, ils ont parana en viande, c'est pas mal. Barbecue. Et je regarde l'autre. Sauce cornichon, maïs. C'est un peu pitoyable quand même, mais ça a l'air bon. Alors dites-moi ce que vous prenez. Ah. Ce que vous prenez au Subway, moi je prends souvent le Sub Melt parce que c'est celui qui a le plus de viande, finalement le moins cher. Je sais que c'est autour de 8 euros de mémoire. Pas de salade. Attendez, bon appétit. Alors, le mix c'est pas extraordinaire. Le pain miel avoine, je le déteste. Heureusement, il y a la sauce barbecue. Bah, le steak and cheese finalement, ouais, c'est pas mal. Ça manque de fromage. Mais ça va bien avec la sauce barbecue. J'avais envie de viande sans poils. Bah voyez, finalement, avec le temps, je trouve que Subway c'est devenu un truc qui est vraiment sous-coté parce que finalement c'est pas si mal au niveau du poids, des quantités. Alors là, on a vraiment fait un truc dégueulasse, mais ingrédients frais. Le mix le plus gros, ultime, moi, que je fais à chaque fois, c'est Submelt, tomate, oignon, piment, olive et sauce Southwest. Meilleur mix au monde et pain parmesan. En fait, je ne prends que celui-là. Dommage parce qu'il y a beaucoup trop de cornichons et il n'y a pas assez de maïs. C'est mal dosé. Qu'est-ce que j'ai faim entre chaque livraison, vous imaginez pas? Avec ce qu'on a eu précédemment. Eh bah, finalement, vous voyez, c'est pas plus mal de manger ce bouet. Au moins, je sais que c'est propre. J'ai eu ma dose dans les premières. Écoutez, je vais mettre de côté, on va se finir par un petit dernier. On aurait bien qu'on tombe sur un truc extraordinaire. Je retente. Allez, un petit dernier pour la route. Hop. J'ai envie d'un truc sucré sur la fin. Allez, 3, 2, 1. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on clique, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on clique, 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 clique. Finalement, bon, ça sera pas du sucré, mais on a un burger cheese rock. Le nom me plaît en tout cas. Et ben on va finir sur du bon gras. C'est livré. C'est un peu déçu. C'est un peu petit. Il y a que le burger en fait. Je pensais qu'il y aurait eu un menu. Ouah, par contre non, il est gros. Ouh là là, il est énorme. Ah, je suis content, regardez-moi la taille du truc. Allez les amis, j'espère qu'on finit en beauté. Enfin, le pain a l'air très très beau. Bah écoutez, c'est un monstre, on va regarder la composition, mais... Ouah, il est très gros. On est sur un pain brioché sauce mash oignon tomate cornichon steak haché de 150 grammes. Steak haché frais. Alors on va vérifier. Mais il a l'air effectivement frais, mi-molette et mental. Un monstre. Écoutez, voilà, il y avait le mot rock dedans. Donc du coup, alors le pain a pas l'air maison, mais... Il est très bon le pain en fait. Vous savez, un peu pain croissant. Il est incroyable. Franchement... Ça, on sait jamais, il y a de l'herbe dedans, de une sorte de thym. J'ai eu peur. Franchement, il est très bon. C'est pas un truc extrêmement quali. Maintenant, pour le prix, je trouve que c'est correct parce qu'on peut manger pour deux, hein, vraiment. C'est quali, en tout cas, au niveau de la viande. On le sent bien. C'est pas mal. Franchement... Je l'ai dégommé, j'ai trop faim. C'est la faim qui revient. Ah, j'en avais marre des poils. Bah finalement, on finit voilà, avec un truc pas trop mal et en plus ça a l'air propre. Et... Les pompiers arrivent. On est sur un burger bien équilibré, il y a beaucoup de fromage, le steak est énorme. Je pense que vous voyez qu'il est bon. Et bah au moins on s'est régalé sur la fin, j'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. Bienvenue au nouveau, explosez les pouces pour une partie 3. C'est marrant parce qu'à chaque fois on a du pire et du bon. Là on a eu pas mal de pire quand même. Allez, en attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez. Dites-moi quel est votre plat préféré dans les commentaires. Comme ça on l'aura peut-être si on fait une suite. Allez, à bientôt, ciao.